Écrire, décrire, rire mou, aimer décrire, rire mou, écrire, mourir d'aimer décrire jusqu'à désécrire mou. Démouler les mots, aimer les moules des mots autant que la pâte mot, la pâte à colle, molle, décolle, la pâte à colle, décoller la pâte molle des mots, décoller la pâte molle des mots du moule. Démoter, ôter les mots de trop, en trop, en trop, anthropique au doigt, six fois des, découdre, des, accoudre au doigt, lancer, déjouer les lois, dénouer de nœuds. Renouer, renouer avec, silencieusement, entre, fermer les paupières, entre, surface et profondeur, entre la peau et la pierre, entre la plume et le plumage. Identifier, préférerais ne pas, cadrer, répertorier, préférerais ne pas, entre la colle et le collage, préférerais ne pas, couper, préférerais ne pas, pas, découper plutôt, décoller, déclasser, décaler, désordonner, désaxer, dédocumentaliser les mots, les choses, les portraits, les paysages, démentaliser les codes. Les extraversions sont préoccupantes. Les introversions sont préoccupantes. Les interventions sont préoccupantes. Les répercussions sont préoccupantes. Les extraditions sont préoccupantes. Les inculpations, les interprétations, les imprécations, les implorations, imputations, incantations, incitations sont préoccupantes. Les supplications sont préoccupantes. Les suppurations sont préoccupantes. Les suffocations, les saturations, les strangulations sont préoccupantes. La situation est préoccupante. Qu'en faire de ces fragments, de ces éclats? Les écarter? Qu'en faire de ces éclats? Les écarter? Les éclater dans des enfers de bibliothèque? Les rationaliser? Les clôturer? Les enclaver? Les répertorier? Les classer? Les nationaliser? Les esclaver? Fragments. Vos papiers. Apiacas d'Amazonie. Vos papiers. Adien de Mato Grosso. Vos papiers. Négresse de Bahia. Indienne Botocudo. Vos papiers. Joao Arantes, homme noir, porteur de bagages, de paquetage, d'équipage, porteur de colis, d'attirail, porteur de la seule charge signifiante, ne se dérobe pas. Même s'il est un peu dérangé par la drogue, il reste imperturbable, on le sait. Il menace l'ordre convenu et vient ronger le pouvoir des contrôleurs. C'est tout ce qu'il nous a laissé? Ce n'est pas si mal, on le sait. Ce n'est pas si mal, on le sait. On le sait. Ce n'est pas si mal. Cette autorité qui nous ferait perdre la trouvaille dont je suis le natif, on le sait. Cette domination qui nous ferait accepter la mitraille, ces vomitifs, la TNT, l'acide et le poison, la chimie dévastatrice, on le sait. Accepter l'odeur du fruit sucré assassin, les souris vaginales, les rats qui nous bouffent, estomac et la rate et le foie, on le sait. Nous dormons debout, on le sait. Le somnambulisme inquiète et cette inquiétude produit les gouttes de sueur qui perlent maintenant et s'empilent sur le haut des faces.
On le sait, puisqu'il ne lui reste plus rien. Elle s'empare des intermédiaires en forme de pyramide. L'un veut taire l'inventaire, l'autre l'éparpiller sur le papier. Le mot, tire, l'un après l'autre, les uns après les autres, en bas à gauche, puis à droite, puis en haut à droite, puis à gauche, trois fois des fois quatre, trois fois quatre, douze des fois seize, mais ni douze. Ni 16, les 11 de 70. Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza, Félix, Clodoaldo, Everaldo, Gersigno, Gerson, Tostao, Edson Arantes do Nascimento. Esse lado esquerdo, o Dante saiu para dar o bote. Hulk está pertinho da bola. O Brasil vem em busca do segundo. 1 a 1 Brasil. 18ª minuto, tête de Pelé sur un centre de Rivellino. 37ª minuto, Roberto Bonizenga égalise pour l'Italie. 66ème minute, Gerson double la mise pour le Brésil d'un tir puissant des 20 mètres. 71ème minute, il frappe, ensuite un coup franc des 40 mètres sur Pelé, qui remet de la tête sur Gervinho, lancé, qui marque. 86ème minute, Pelé décale son capitaine, Carlos Alberto sur le front droit pour le dernier but. 90ème minute, 4-1. Cadver de Cachaz pour fêter la victoire. 4-1, 4-1, 4-1 de Villon, 4-1 dévié, des villons de partout. Je suis François dont il me poise, né de Paris en Prépontoise, et de la corde d'une toise saura mon col que mon cul poise. Ça scotche, colle, de partout ça adhère, chaque mot, chaque image. Parfois le mot drame adhère au désert, parfois c'est le chameau, parfois c'est la guerre. Ça connecte dans le réseau, ça résonne dans la déraison, ou plutôt ça déraisonne l'évidence et ça danse. Ça danse, ça danse. Ça danse dans le vide. À l'envers, dans le vide, ça danse. Une samba roumaine, une polka brésilienne. On s'en fout, le fleuve est trop froid et nos gesticulations n'y pourront rien changer. Puisque, il ne faut plus écrire patemou. Nous devons nous obliger à refuser, nous le savons. Nous le savons. Nous devons nous obliger à refuser, sinon rien ne laissera couler de l'ensemble de nos orifices. Les résidus putréfiés, nous resterons bouchés, du trou de l'oreille à celui de notre anus doré et précieux. De ces béances où j'imaginais surgir l'horizon d'une espérance, où chaque espace, chaque site et chaque lieu de mon ignorance siégerait dans les orbites de mes yeux. Vous devez devenir de plus en plus précis, de plus en plus présent. Alors, vous lui réapprendrez à danser, à l'envers, comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Il ne faut. Où j'imaginais surgir l'horizon d'une espérance où chaque espace, chaque site et chaque lieu de mon ignorance siégerait dans les orbites de mes yeux.
vous devez devenir de plus en plus précis, de plus en plus présent. Alors, vous lui réapprendrez à danser, à l'envers, comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Il ne faut, 9 février 1994, sous le pont des Arts, coule la Seine.